I am back with another TV show recommendation for those who want to improve their understanding of real, everyday modern French. But today's recommendation is a little bit different because the show is both in French and in English. This is why it is the perfect show for someone who is just beginning or starting again to learn French. Together, let's explore a short scene from this HBO TV show so that you can practice listening to and really understanding fast spoken French. And who knows, maybe you will even discover your new favorite TV show. Irma Vep is a miniseries for HBO written and directed by French director Olivier Assayas, and it's amazing. It's about cinema and relationships and nostalgia and more. It shows us the backstage of a movie set and everyone's struggle with creation, love, changing time and culture. It is French cinema and lots of people talk a lot about deeper topic and it has such beautiful shots. It is an American show, but it is set in France, and also half of the cast is French and speak French between themselves. Everyone in the cast is amazing. The magnetic Alicia Vikander, Vincent McCain doing a plaintive voice, French actor Vincent Lacoste playing a smug version of himself, the very, very cool Devon Ross, and more. And today we'll concentrate on a dialogue in French between Zoé, the costume designer, and Grégory, the producer and general fixer. Grégory is played by Alex Desca, while Zoé is the comedian, director, and singer Jeanne Balibar. I am going to show you the scene at normal speed with French subtitles. Keep in mind, try to hear the words that you're seeing on screen. How do they pronounce them? What can you understand from this scene in French? What expression and vocabulary can you write down for later? C'est parti! Tu m'as appelé? Oui. On a un problème, il faut que tu leur parles. De quoi? Bah, tu sais très bien de quoi. Je t'ai dit, s'ils dansent, ils veulent être payés comme danseurs. Il n'y a pas de chorégraphie, ce ne sont pas des danseurs. Ils font la fête dans un club. Ils improvisent, où est le problème? Alors ça, tu ne me l'expliques pas à moi, tu le leur expliques à eux. Oui, Grégory, enfin, je suis navré, mais personne nous a averti qu'on allait danser. Et si on danse, bah, c'est pas le même cachet. Et on n'avait même pas été avisé qu'on serait convoqué à 6h du matin. Tu les as convoqués à 6h du matin? Oui. C'était à la feuille de service. Je ne peux pas les habiller tous en même temps. Je t'ai demandé des renforts, tu as dit non. Alors j'ai fait ce que j'ai jugé bon de faire. La prochaine fois, avant de faire comme tu juges bon de faire, tu me demandes mon avis. Mais je me plie en quatre pour vous arranger vos coups. Je me bats pied à pied pour vous éviter les crises de nerfs de René. Et je n'ai droit qu'à des reproches. Aucune reconnaissance. Les humeurs de René, je m'en charge. Est-ce que tu te rends compte de la galère que c'est de réunir tous ces costumes d'époque? Tu le sais, ça? Anissa, mon ancienne assistante, qui travaille sur un sitcom, elle a le double de budget du mien et elle n'a qu'à descendre chez Zara pour trouver toutes ses fringues. Si tu veux faire des sitcoms, fais des sitcoms. On s'en est déjà parlé. Oui, eh bien nous en reparlerons parce que je ne suis pas bien traitée sur cette production. Si c'était ma première fois, si j'étais une parfaite étrangère ici, tu ne me parlerais pas comme ça. Je demande juste qu'on me respecte. Un peu de respect, je veux un peu de respect. Personne ne me respecte ici. Mais si, on te respecte. On en parlera ce soir. J'ai besoin seulement de traiter les urgences. Did you hear? These two characters speak in a blend of formal and informal French that sounds like music, especially for Zoé. We are going to break it down together and see where it comes from. But before, let's talk about Irma Vep's framing because this can be very confusing. It starts in 1912, when cinema was young and fresh. French director Louis Feuillade created the serial Les Vampires, about a group of gangsters calling themselves vampires, led by their muse Irma Vep, which is an anagram for vampire.
Almost 100 years later, in 1996, French director Olivier Assayas directed a movie called Irma Vep. The movie is a fiction about a director trying to remake the 1912 serial Les Vampires. Then this year, in 2022, Olivier Assayas directs this new HBO miniseries where a director tries to remake Les Vampires a second time as a miniseries several years after his first remake. Basically, it is two self-inserts in a row, and everyone is kind of playing a version of themselves and talking about the series itself. Now, there's a lot more to unpack here, but let's concentrate on the dialogue itself. You will find more about the show, the cast, and their place in French culture in the blog post for this lesson over on my blog, as well as a full transcript of the lesson with the subtitles and translation and much more. And yes, it is all free. You will find a link to the blog post below this video. Let's get back to our first scene where spoken French flows like a music between the two characters. Let's break it down line by line together. Tu m'as appelé? Oui. On a un problème, mais il faut que tu leur parles. Here we have our first informal French pronunciation, which is cutting the E letter. Instead of saying the correct que tu leur parles, que tu leur parles, she simply says que tu leur parles, because we like to speak a bit faster in French. Even though both characters tend to use a very precise kind of vocabulary and pronunciation, they still use some shortcuts. This is very common in spoken French, and you will find more examples in the subtitles throughout the scene. De quoi? Bah, tu sais très bien de quoi. Je t'ai dit, s'il danse, il veut être payé comme danseur. Ba is a filler word, like o and da in English. It comes from bien, that means well, but it is more informal. Il n'y a pas de chorégraphie, ce ne sont pas des danseurs. Ils font la fête dans un club. Ils improvisent. Où est le problème? It is also very common in spoken French to say ya or ya pas instead of il y a, there is, and il n'y a pas, there isn't, il n'y a pas. Pronouncing il n'y a pas is really a sign of formality. Alors ça, tu ne me l'expliques pas à moi, tu le leur expliques à eux. Oui, Grégory, enfin, je suis navré, mais personne nous a averti qu'on allait danser. Et si on danse, bah, c'est pas le même cachet. Et on n'avait même pas été avisé qu'on serait convoqué à 6h du matin. This character is un figurant, an extra. Let's stop a minute over this line, because it might be short, but we can still learn a lot out of it. First of all, le cachet here is the French name for an acting fee, a performer's pay. It is a precise word that grounds us in the context of the movie set. And it's not un cachet d'aspirine, which is an aspirin tablet. Anyway, the extra uses some elegant vocabulary, like navré to say sorry, navré, instead of the more common désolé, or on a été avisé, we've been told, instead of the more common on a été prévenu. Or convoqué for summoned or called. Instead of say, on devait venir, we were supposed to come. This kind of words supports one part of his character. He's probably well-read and from the same higher educated cultural background as the other theater and cinema loving people. On the other hand, he still uses informal pronunciation and filler words such as bas or even enfin that he pronounces fin. It roughly means all in all or I mean. He also cuts some a letter.
including inside words. Like on serait instead of on serait. On serait instead of on serait. This means we would be. And of course, he cuts the negation ne in personne nous a averti, because ne is the first thing that gets cut in fast everyday modern French. And that's still a much more informal pronunciation than Grégory and Zoé. Probably because he's embarrassed and he's an extra here, not a terribly formal job. You see, just with this line, you get a glimpse of this character and his personality. And that is simply by listening to the pronunciation and vocabulary that the character uses. Okay, let's get back to our scene. Tu les as convoqués à 6 heures du matin? Oui. C'était à la feuille de service. Je ne peux pas les habiller tous en même temps. Je t'ai demandé des renforts, tu as dit non. Alors j'ai fait ce que j'ai jugé bon de faire. La prochaine fois, avant de faire comme tu juges bon de faire, tu me demandes mon avis. Ce que j'ai jugé bon de faire. Ce que j'ai jugé bon de faire. What I judged was the right thing to do is a bit peculiar. We would much more often say ce que j'ai cru être la meilleure chose à faire. Ce que j'ai cru être la meilleure chose à faire. What I believed was the best thing to do. Or better yet, j'ai fait de mon mieux. I did my best. J'ai fait de mon mieux. Instead, Zoé uses a much more personal turn of phrase. Grégory hears it and quotes it back to her. Mais je me plie en quatre pour vous arranger vos coups. Je me bats pied à pied pour vous éviter les crises de nerfs de René. Et je n'ai droit qu'à des reproches. Je me plie en quatre. Je me plie en quatre means literally I am folding myself in four. And it means in English I am bending over backwards. Je me bats pied à pied. Je me bats pied à pied means I am fighting every inch of the way. Just like je me plie en quatre, it is an expression that is a bit outdated, but it is absolutely the right kind of expression for Zoé. Les humeurs de René, je m'en charge. Est-ce que tu te rends compte de la galère que c'est de réunir tous ces costumes d'époque? Tu le sais ça? La galère is an informal word for la difficulté. La difficulté, the difficulty, the trouble. Informal vocabulary like this from Zoé is a bit surprising, but it gives more weight to her problem when she uses it. Anissa, mon ancienne assistante qui travaille sur un sitcom, elle a le double de budget du mien et elle n'a qu'à descendre chez Zara pour trouver toutes ses fringues. Les fringues, we also say une fringue, les fringues are clothes. It is an informal word for les vêtements, les vêtements. Notice also the repetition of Anissa, elle. I dive deeper into la répétition on another lesson. You will find the link on the blog post for this one. Finally, Zoé says un sitcom, and it's a bit funny to say un sitcom. We would rather say une sitcom, but using un instead of une is a sign of disrespect. Zoé clearly doesn't value sitcoms and TV much. And here she probably wants to show the team how unfamiliar she is with the term. Si tu veux faire des sitcoms, fais des sitcoms, on s'en est déjà parlé. Oui, eh bien nous en reparlerons, parce que je ne suis pas bien traitée sur cette production. Si c'était ma première fois, si j'étais une parfaite étrangère ici, tu ne me parlerais pas comme ça. Je demande juste qu'on me respecte. Un peu de respect, je veux un peu de respect. Personne ne me respecte ici. Nous en reparlerons is the formal way to say on va en reparler. On va en reparler. She uses both nous instead of the more casual on and the future tense instead of le futur proche. Oh, and throughout the scene, she might eat some lettuce, yet she still keeps the ne in her negations. Mais si, on te respecte. On en parlera ce soir. J'ai besoin seulement de traiter les urgences. Finally, here, si,
C is how French people say yes after a negation. You know, it's the difference between on ne me respecte pas, si. Nobody respects me. Yes, we do. And on ne me respecte pas, oui, c'est vrai. Where this implies nobody respects me. Yes, that's true. Once again, I covered this particular issue on the blog post for today's video, so check it out. And we made it through the whole scene. Félicitations! Before we try one more pass at it with English subtitles this time, let's review what we can learn from Zoé and Grégory from their vocabulary and their pronunciation. First of all, they're both educated and they speak well. They don't use much slang or verlan, for instance. Grégory sounds precise and to the fact, and he doesn't use much informal French because he's a professional. While Zoé uses more formal French, but you feel like it's not only because of the professional settings. It is more because she likes the more colorful expressions and dramatic undertones of finer vocabulary. And these are good qualities for a costume designer. Now, you already know a lot more than when you first started. Okay, let's watch that scene for a third time. You will find the English translation as well so that you can fully understand the scene. We'll run it a bit slower this time. And the point is for you to try to hear all the words and their pronunciation. Can you do it? Then we'll try it without any subtitle. C'est parti. Tu m'as appelé? Oui. On a un problème, il faut que tu leur parles. De quoi? Bah tu sais très bien de quoi, je t'ai dit, s'ils dansent, ils veulent être payés comme danseurs. Il n'y a pas de chorégraphie, ce ne sont pas des danseurs. Ils font la fête dans un club, ils improvisent, où est le problème? Alors ça, tu ne me l'expliques pas à moi, tu le leur expliques à eux. Oui, Grégory, enfin, je suis navré, mais personne ne nous a averti qu'on allait danser. Et si on danse, bah, c'est pas le même cachet. Et on n'avait même pas été avisé qu'on serait convoqué à 6h du matin. Tu les as convoqués à 6h du matin? Oui. C'était à la feuille de service. Je ne peux pas les habiller tous en même temps. Je t'ai demandé des renforts, tu as dit non. Alors j'ai fait ce que j'ai jugé bon de faire. La prochaine fois, avant de faire comme tu juges bon de faire, tu me demandes mon avis. Mais je me plie en quatre pour vous arranger vos coups. Je me bats pied à pied pour vous éviter les crises de nerfs de René. Et je n'ai droit qu'à des reproches. Aucune reconnaissance. Les humeurs de René, je m'en charge. Est-ce que tu te rends compte de la galère que c'est de réunir tous ces costumes d'époque? Tu le sais ça? Anissa, mon ancienne assistante qui travaille sur un sitcom, elle a le double de budget du mien et elle n'a qu'à descendre chez Zara pour trouver toutes ses fringues. Si tu veux faire des sitcoms, fais des sitcoms. On s'en est déjà parlé. Oui, eh bien nous en reparlerons parce que je ne suis pas bien traitée sur cette production. Si c'était ma première fois, si j'étais une parfaite étrangère ici, tu ne me parlerais pas comme ça. Je demande juste qu'on me respecte. Un peu de respect, je veux un peu de respect. Personne ne me respecte ici. Mais si, on te respecte. On en parlera ce soir. J'ai besoin seulement de traiter les urgences. Yay! Now you can understand everything and hear what the characters are saying. Now, it is time for the last test. Can you hear and understand what they're saying at full speed and without subtitles? If you want more preparation, you can check out this video again anytime by clicking on your screen and sliding to the left. Now, let's watch this scene one last time in real conditions, as if you were watching a French movie in France. Can you hear everything that they're saying now? C'est parti. Tu m'as appelé? Oui. On a un problème, il faut que tu leur parles. De quoi? Bah, tu sais très bien de quoi. Je t'ai dit, s'ils dansent, ils veulent être payés comme danseurs. Il n'y a pas de chorégraphie, ce ne sont pas des danseurs. Ils font la fête dans un club. Ils improvisent. Où est le problème? Alors ça, tu ne me l'expliques pas à moi. Tu le leur expliques à eux. Oui, Grégory, enfin, je suis navré, mais personne ne nous a averti qu'on allait danser. Et si on danse, bah, c'est pas le même cachet. Et on n'avait même pas été avisé qu'on serait convoqué à 6h du matin. Tu les as convoqués à 6h du matin? Oui.
C'était à la feuille de service. Je ne peux pas les habiller tous en même temps. Je t'ai demandé des renforts, tu as dit non. Alors j'ai fait ce que j'ai jugé bon de faire. La prochaine fois, avant de faire comme tu juges bon de faire, tu me demandes mon avis. Mais je me plie en quatre pour vous arranger vos coups. Je me bats pied à pied pour vous éviter les crises de nerfs de René. Et je n'ai droit qu'à des reproches. Aucune les humeurs de René, je m'en charge. Est-ce que tu te rends compte de la galère que c'est de réunir tous ces costumes d'époque? Tu le sais, ça? Anissa, mon ancienne assistante qui travaille sur un site com, elle a le double de budget du mien et elle n'a qu'à descendre chez Zara pour trouver toutes ses fringues. Si tu veux faire des sitcoms, fais des sitcoms. On s'en est déjà parlé. Oui, eh bien nous en reparlerons parce que je ne suis pas bien traitée sur cette production. Si c'était ma première fois, si j'étais une parfaite étrangère ici, tu ne me parlerais pas comme ça. Je demande juste qu'on me respecte. Un peu de respect, je veux. Un peu de respect. Personne ne me respecte ici. Mais si on te respecte, on en parlera ce soir. J'ai besoin seulement de traiter les urgences. You did it! Félicitations! Now you're ready to check out my other French TV shows to binge watch to improve your French comprehension. Just click right here on your screen to get your next free French lesson with me, or you can watch this lesson one more time to see how much you've improved already. Or if you want, you can just turn everything off and go and watch Irma Vep. It's a very good show. Allez, salut!